Bonjour, donc je vais vous présenter le master comptabilité contrôle audit. Ce master vise les métiers de la comptabilité au sens large, mais plus précisément les deux métiers principaux de la filière comptable, qui sont le métier d'expert comptable et commissaire aux comptes. Vous pouvez trouver des détails sur les différences entre ces deux métiers sur tout un tas de sites internet et sur des liens aussi qu'on a mis là dans le cadre des portes ouvertes et des présentations du master. Donc par rapport à ces deux métiers, vous savez sans doute que la filière comptable est organisée d'un point de vue de formation en une seule filière, même si elle débouche sur deux métiers. La filière principale, la voie royale, c'est le diplôme d'expertise comptable. Le diplôme d'expertise comptable se forme en trois niveaux de diplômes successifs qui sont des diplômes nationaux. Le DCG qui est au niveau Bac plus 3, le DSCG au niveau Bac plus 5 et ensuite, après un stage professionnel rémunéré en cabinet de 3 ans, le diplôme d'expertise comptable final qui est un niveau Bac plus 8 et plus long. Notre master s'inscrit dans cette filière comptable et prépare plus précisément à l'étage du milieu, à la deuxième étage de la fusée, en fait au DSCG. Donc les métiers visés sont l'expertise comptable et le commissariat aux comptes et on s'inscrit dans le cadre de cette filière. Concernant les objectifs de la formation maintenant, très précisément par rapport à ce que je viens d'expliquer sur la filière comptable, le master comptabilité contrôle audit a deux objectifs. Le premier, c'est de former les étudiants pour les aider à avoir le DSCG, le deuxième étage de la fusée. En fait, on va recruter des étudiants qui ont un niveau Bac plus 3, un niveau DCG, premier étage, ou une licence d'un autre domaine avec des prérequis équivalents. Et nous, notre objectif, ça va être de les amener à l'étage supérieur de la fusée. Pour ça, on a une chance, c'est qu'on fait partie d'un réseau national. Il y a 40 masters CCA en France qui disposent de dispenses importantes. Le DSCG est un diplôme national qui se décompose en 7 UE. Sur ces 7 UE, les masters CCA qui remplissent le cahier des charges du réseau ont 5 dispenses. Il reste donc 2 unités d'enseignement à passer à l'extérieur pour avoir le DSCG. Donc l'objectif de notre formation, c'est à la fois de justifier de ces 5 dispenses, c'est-à-dire que nos enseignements remplissent scrupuleusement le cahier des charges qui permettent d'obtenir sur ces 5 matières les dispenses du ministère, et aussi de vous préparer aux 2 unités d'enseignement qui vous manquent pour, à la fin de la formation, avoir, et c'est ça l'intérêt du Master CCA, en fait 2 diplômes pour le prix d'un, c'est-à-dire qu'à la fois on peut avoir le Master CCA de Grenoble IAE, et aussi, si on a bien préparé et avec aussi une préparation personnelle supplémentaire, une préparation qui vous permettra aussi d'avoir les 2 unités d'enseignement qui manquent au DSCG. Tout combiné, ça permet d'avoir la même année le Master CCA en juillet et le DSCG à la session du mois d'octobre qui suit. Donc notre objectif pédagogique, il est d'amener les étudiants à avoir à la fin de leur Master également le DSCG, deuxième étage de la fusée de la filière comptable. Notre enseignement est donc strictement calibré, formalisé, formaté, normalisé, pour justifier les équivalences des 5 UE qu'on a par dispense et préparer les étudiants aux 2 qui manquent. Le deuxième objectif de notre formation, c'est d'insérer les étudiants dans le monde professionnel, dans le monde de l'expertise comptable du commissariat aux comptes. Pour ça, tout au long de la formation, il y a des stages facultatifs en première année, obligatoires, au moins 5 mois en deuxième année, des interventions de professionnels, des présentations de cabinet, des conférences, plus tout le soutien que Grenoble IAE peut apporter à l'insertion professionnelle. Donc on a un objectif double. La partie diplôme, Master CCA et DSCG si on arrive à faire les 2, optimiser les 2, et l'insertion professionnelle. Alors concernant maintenant, pour finir, le déroulement de la formation, il va se dérouler de manière progressive pour accomplir ces 2 objectifs, pour viser ces 2 objectifs. D'abord pour préparer les étudiants à préparer à la fois le Master CCA et le DSCG. De manière progressive, les enseignements vont se dérouler dans cette optique avec pour les semestres 1 et 2 plutôt des consolidations de niveau DCG et des approfondissements. Puis au niveau du S2 et surtout du S3, vraiment une préparation de justification des dispenses du DSCG, donc un travail surtout sur les 5 UE manquantes, dispensées. Et puis aussi une préparation qui commence sur les 2 UE que les étudiants doivent préparer et passer par leurs soins au niveau du diplôme national. Et puis cet effort d'approfondissement et de préparation va se renforcer au S4, où là on est dans une préparation intensive avec 1 mois de préparation intensive à l'examen national, qui est un véritable atout de notre formation pour aider les étudiants à être performants à l'issue du master pour préparer ses examens nationaux. Le deuxième objectif qui est l'insertion professionnelle, c'est qu'une irrigation permanente va se faire de nos enseignements du monde professionnel, beaucoup d'intervenants professionnels, des conférences, des contacts avec les cabinets, des forums et puis des stages facultatifs en première année et un stage long obligatoire de 5 mois en deuxième année.